Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon Let's Play sur la saison 3 du jeu Banished. Et donc, dans l'épisode précédent, on avait plutôt bien démarré, on avait un petit problème au niveau de la nourriture, mais ça suffit pour l'instant, je pense qu'on va essayer d'améliorer ça dans cet épisode. Mais pour l'instant, voilà, ça tient le coup, on a fait pas mal de choses, on va continuer sur cette lancée. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà de retour sur Coquinterville, oui, le meilleur nom de ville. Donc, ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent, où il n'y en avait qu'un, on avait fait cette partie-là au niveau des forestiers, donc on avait de quoi récupérer du bois, on avait d'ailleurs beaucoup de bois en réserve. Par contre, on a toujours un sacré problème de nourriture. On a de la nourriture dans la plupart des chaumières, en fait, ça c'est pas le souci. Le seul souci, c'est d'arriver à stocker de la nourriture pour du long terme. Bon, en tout cas, en avoir un peu plus que pas du tout, en fait. Donc, on a ce souci-là, actuellement. Et on va essayer de le régler dans cet épisode, parce que... Sous, c'est chiant, tout simplement. J'avais pas mis une hutte de chasse, ici. Fermier. D'accord, donc ici on a un petit souci, je pense que on a trop de maisons par rapport à la population actuelle. Donc je pense qu'on va... On va pas se faire chier, on va mettre une cabane de chasse par ici. Ici ça me semble bien, tant pis s'il faut qu'on fasse un petit détour avec la route. Ça ira très bien. Est-ce que je l'ai mis vers la porte? Ah non, je l'ai pas mis vers la porte, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste une route. Donc voilà, construction en cours. Je vais diminuer un petit peu le fermier, c'est pas très grave. On va accélérer le temps. X1 c'est pas assez. X1 c'est pas assez. Normalement on aura assez pour faire du bois brut. On a 7 enfants actuellement. On a suffisamment de maisons pour avoir la production d'enfants entre guillemets, même si c'est pas franchement la meilleure façon de le dire. Il faut bien avouer. Alors, on va voir ce que ça donne ici. Ça va être construit assez vite, je pense. Ah, on a un travailleur en plus. Donc ouais, on va peut-être commencer à avoir besoin de mettre une nouvelle maison ici, vu que là, il y en aura 4 des chasseurs. Je vais attendre que ça soit fini avant de mettre une nouvelle cabine de chasse. D'ailleurs, normalement, il devrait y avoir des bâtisseurs. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est intelligent. Les bâtisseurs sont à côté, donc c'est pas une mauvaise idée. Par contre, je pense qu'on est un peu loin de la grange. On va peut-être mettre une grange aussi ici. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. J'avais dit aussi que je m'attaquerais à ce côté-là, mais pour l'instant, on va essayer de s'occuper de cette cabane de chasse. Ça serait pas mal. Parce que niveau nourriture, c'est toujours la grosse dèche. Bon, là, on va avoir le droit bientôt la récolte... De ce côté-là. Voilà, la croissance, c'est pas dit. Je crois qu'on aura rien avant l'été prochain. On aura carrément rien avant l'été prochain. Donc, un an d'attente. C'est un petit peu long, mais tant pis. Là, c'est bientôt fini la croissance ici. Oula, je suis peut-être allé un peu loin. Au niveau du bois. Ah oui, on a carrément trop de bois en fait. Je viens de me rendre compte. On a carrément trop de bois. Combustible, on va augmenter un petit peu. J'ai augmenté un peu le bois brut, voilà. Bon, si vous pouviez me construire ça, ça serait cool, les gens. Ah oui, il y a là aussi où c'est toujours pas construit. Ça, c'est censé être une pile pour stocker du bois et tout. Ah, ils sont chiants. Ah, ça va bientôt être fini. Ok, ça, c'est bon. Donc là, il y a du bois brut, c'est cool. Ils enlèvent les arbres. Ouais. Ah, on a des enfants qui viennent de naître, c'est plutôt pas mal. Peut-être que je fasse une école, parce que ça y est, on a plus d'outils, on va commencer à avoir des... Voilà, c'est ça, des villageois sans outils. C'est un peu chiant, parce que du coup, ils sont beaucoup moins productifs. Il va falloir que je construise rapidement une école, mais j'aimerais bien réduire... Ah, bah tiens, le problème de nourriture est en train de se régler. Ouais, mais bon, là, on commence déjà bientôt à être une trentaine d'individus. Il nous faut plus de nourriture. Ok, donc là, ils vont commencer à pouvoir construire. Un jour.
qu'ils amènent un petit peu ce qui manque. Voilà, ils vont s'en occuper un jour, la quantité de nourriture. Ah, ok, d'accord, la nourriture elle se barre. Ah oui, mais c'est parce qu'il y avait la récolte. D'accord. C'est que les courges étaient en train d'être récoltées, du coup forcément, ça boostait pas mal. Sur 12. Bon, ça a l'air d'aller. On a des herbes médicinales, donc au niveau de la santé, ça devrait aller. On devrait pas avoir trop de problèmes. Par contre, j'aimerais bien qu'il se bouge un peu le fion, que je puisse avancer un petit peu dans mes actions. Ah là. Au niveau de la quantité, ouais, ça passe. Un médicinal 200, ils y sont pas encore quand même. On est déjà en hiver. Ah non, c'est bien, c'est la fin d'automne. C'est juste qu'on a une fin d'automne un peu froide. Alors. C'est vrai qu'ils sont sans outils. Ils sont de plus en plus à être sans outils. Je vais avoir des gros soucis bientôt. Peut-être que je fasse un forgeron. Il est où? Voilà, forge. La forge, ça serait quand même pas mal. On va finir ça, on va finir cette histoire, ensuite je fais une forge. Forge que je vais faire ici, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et je crois... Ah, j'ai pile poil la place. Ah, je vais la tourner. Je vais la tourner pour pouvoir mettre un accès ici. Parce que sinon, on n'aura jamais assez de... On n'a pas assez de place si j'ai obligé de faire le tour. C'est pas très optimisé. Ok. Sachant qu'on a un nouveau travailleur d'arrivée. Allez, qu'il me finisse ça. Voilà, c'est bon. Donc... Où sont les chasseurs? C'est vrai que la pierre elle est partie très très vite. Quasiment plus. Le fer est en train de se barrer. On va avoir besoin de travailleurs aussi. Là, ça avance. Faudrait peut-être que je fasse une maison en plus. Allez, construisez-moi ça, s'il vous plaît. Bon, ça y est, j'ai fini la forge. Donc, elle va commencer à produire. Je pense qu'on va avoir quelques petits soucis de place en haut, mais bon, ça devrait aller. Là, ici, je suis en train de faire une nouvelle maison pour pouvoir tenir la cabane de chasse, tout ça. Ça va prendre un peu de temps parce que j'ai diminué d'un travailleur en plus. En plus qu'ils ont plus d'outils du tout. Là ça devrait commencer un petit peu à repartir. Je sais pas combien de temps il met pour arriver à faire des outils. C'est vrai que lui non plus il est pas très outillé. Donc taper sur du fer à la main, ça doit être pas drôle quand même. Ça va faire un peu mal. En termes de nourriture, on arrive à ne plus tomber à zéro. Ce qui est plutôt cool. Des fois on monte à 600, des fois on arrive vers les 50. Mais on arrive à ne plus tomber à zéro, ce qui est à peu près bien. La maison se construit bien à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Je vais pouvoir m'attaquer à cette zone-là. Je pense sincèrement qu'on devrait pouvoir mettre une nouvelle maison ici. Peut-être que je fais un peu le con à mettre trop de maisons. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop. J'ai un travailleur supplémentaire. D'ailleurs, je vais pas te mettre là, je vais peut-être mettre au bâtisseur hein, en attendant que ça soit fini. Parce qu'on n'a pas encore fini cette histoire. Il faudrait peut-être que là je fasse un coin social, c'est-à-dire que j'y mette un. Non, pas un cimetière. Le cimetière, je pense que je vais plutôt le mettre par là. Oh, parce que ça coûte en pierre, j'ai pas assez de pierre. On va plutôt y mettre une école. Petite école par ici.
Ah, on commence à re-avoir des outils, c'est cool. Je peux y arriver. Voilà. Donc, une école quelque part par là. Bon, oui, si, c'est bien. Comment ça? Comment ça, t'es pas d'accord? Ah, ok. Bon, bah voilà. Ici, c'est bien. On va faire une école. On va essayer d'éduquer un petit peu ces Pékins. C'est bien, c'est bon Pekno, qui sont un peu de neuneux. Forgeron. Pêcheur, non, non. Je vais essayer de mettre le dernier chasseur, parce que ça fait 5, 5, 9, ouais, 9. Je pense que 9, c'est pas mal pour 3 maisons. J'ai pas vraiment cherché quel était le ratio, le bon ratio qu'il faut. J'aurais dû, peut-être. Mais bon, tant pis. Là, peut-être qu'un jour, on aura des fruits. Ah, un travailleur, cool. Ok, dernier chasseur. Donc là, maintenant, faut qu'il me construise ça, mais on n'aura pas assez de pierre. Présent. Oh, cette blague. On n'aura pas assez de pierre. J'ai augmenté un petit peu mon bois de chauffage. De toute façon, j'ai tellement de bois. Donc là, je vais attendre le temps que ça finisse cette école. Et ensuite, on s'attaquera à cette partie-là encore. Il y a encore pas mal de choses à faire dans, avec cette histoire. Donc voilà, nous avons notre école avec un professeur. Bon là, il n'y a pas encore d'étudiants parce que je crois qu'ils sont toujours encore trop jeunes. Ou alors ils sont déjà au boulot. Bon, on va bientôt avoir des étudiants vu que c'est de 10 à 16 ans, je crois, les études. Donc ça prend encore un peu de temps. Mais au moins, ils seront un peu plus intelligents, peut-être un peu plus actifs. Ça sera déjà bien. On va attendre. Ah oui, mais les travailleurs, on va en avoir un petit paquet. On va attendre un petit paquet avant d'avoir des travailleurs. Un petit paquet de temps. Donc, peut-être une nouvelle maison. Ouais, ouais, ouais. Là, ils sont 5 ici. Et peut-être une nouvelle maison ne serait pas trop, surtout ici. Toc, ou alors on va un petit peu optimiser cette histoire. Ah mais c'est trop grand. Ouais, où je vais mettre ça là. Voilà, je pense que ici ça sera bien. Ok, une nouvelle maison. J'ai vraiment pas assez de pierre hein, par contre. Ah, et là ces arbres, ils ont pas l'air d'être. Ah, c'est peut-être cette année enfin qu'on aura du. On aura nos premières. Notre première récolte de poire, ça pourrait être pas mal un jour. D'avoir des récoltes. Là, on commence à avoir un petit peu la maison qui se fait. Donc, on a deux étudiants, cool. On aura deux étudiants. Là, c'est pas mal. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des familles complètes, mais. Mais il n'y a pas assez de place à ce niveau-là. Bon. On va laisser ça comme ça. Tant pis. Deux étudiants, sachant que... Oui, ils peuvent en accueillir quand même pas mal. Ce sera pas un problème. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette zone-là encore? En termes de nourriture, ça fait des hauts et des bas, mais c'est plutôt pas mal. On dirait peut-être que j'ai les maximums de fermiers aussi. Un jour, ça serait peut-être pas mal. Parce que en fait, je sape dedans. Mais c'est pas forcément la meilleure des idées. Pâturage. 44. Les pâturages, ça serait peut-être pas mal qu'on en ait un. Je repars ici. Voilà. Le pâturage est trop large. Ou un 15 par 15 peut-être. 56 de bois. Allez, c'est parti. On va bien voir ce que ça va donner. Et là, on va mettre de quoi gérer des maisons, tout ça. Je pense que ça peut être pas mal, ça nous fera de la nourriture. Après, on va s'attaquer... Ça coûte un peu cher en pierre cette histoire quand même. Un cimetière, faudrait peut-être que j'en fasse un jour aussi. Ah, j'ai trop de trucs à faire. Il y a vraiment trop de trucs à faire. Fermier, bâtisseur, nénia. C'est
compliqué cette histoire. Je pense que je vais laisser tourner le temps que ça construise ça. De toute façon, c'est que du bois, ça va aller vite. Bon, je viens de finir les pâturages. Petit problème, c'est que j'ai complètement oublié, mais j'ai pas d'animaux. Ah. Oui, parce qu'il me faudrait, en fait, il me faudrait un truc, c'est où, le comptoir de commerce pour avoir des animaux. Ouais, sauf que le comptoir de commerce, c'est 80 de pierre, 40, ah, c'est énormément de ressources, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, on aura des pâturages de disponibles, c'est déjà pas mal. Mais, pour l'instant, ça sert à rien, et ça a été un petit peu de l'argent, enfin, pas de l'argent, mais des ressources un peu virées par la fenêtre. Bon, ça servira plus tard, mais il faudra que ça serve, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas que je le laisse en plan trop longtemps. Donc là, ça va à ce niveau-là. Que dire de plus? J'ai tous les outils qu'il me faut, donc je suis presque au max. J'ai énormément d'enfants et d'étudiants. Bon, 4 étudiants, c'est pas énorme, mais en tout cas, les enfants, j'en ai eu plein d'un coup. Peut-être faire quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que en termes de santé, on est plutôt bon. En termes de nourriture, on commence à sortir un peu la tête de l'eau. Parce que là, j'ai réussi à avoir des poires. Des poires. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un atelier du tailleur, ça coûte quand même pas mal. Une mine, peut-être. Peut-être. Un abri d'écueilleur. Est-ce que ici je ferai pas des dernières petites améliorations? Ça serait peut-être pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je sais, c'est une vidéo en replay, donc techniquement vous en pensez pas grand chose. Mais ça serait peut-être pas mal d'augmenter encore notre quantité de ressources à ce niveau-là. Sachant qu'on vient de perdre un petit peu du moral. Bon. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, j'ai pas de fermier. On va attendre un petit peu. Ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'une heure que j'enregistre. Je vais continuer encore un petit peu. Ce que j'aimerais... Ah, on a 5 étudiants maintenant. Ce que j'aimerais, c'est que mes premiers étudiants commencent à sortir. Que je puisse finir de remplir la jauge des fermiers. Parce que j'aime bien être au maximum par rapport à ce qui est préconisé. Parce que sinon, je trouve ça un peu nul. Voilà. Donc là, il ramène des ressources. C'est bien d'avoir fait un truc ici, une zone de stockage comme ça. C'est plutôt pas mal. Bon, j'ai plus de pierre, évidemment, mais c'est pas très grave. Là, il me faudrait des bâtisseurs, évidemment. Bâtisseurs que je n'ai pas. Où sont mes étudiants? Comment je peux faire pour voir les étudiants? Ah, il y en a un à 14. À 10. Oui, bon, ça a l'air d'aller. Ça m'a plutôt l'air d'aller. En plus, on a plein d'outils. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je pense qu'on est très clairement pas mal. Bon, ça m'énerve d'avoir fait des pâturages un peu pour rien ici quand même. Je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu. Alors, en plus, j'y ai pensé, mais juste après avoir cliqué, je me suis dit, et si j'ai pas d'animaux? Eh ben ouais. Ben ouais, et si j'ai pas d'animaux? Et si je suis débile aussi, hein? Ah oui, 600 quand même. J'ai l'impression qu'on consomme énormément de nourriture. Mais qu'au final, ça a l'air d'aller. Parce qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, la nourriture, on commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. On a beau être en hiver, on a encore pas mal de ressources. Pas mal de quoi nous débrouiller. J'aime bien les cerfs qui passent au beau milieu de la ville, tranquillou comme ça. Au KLM, comme on dit dans le game, wesh. Alors. Bon. Vous savez quoi? Je pense qu'on va s'arrêter. Là, non, moi j'aimerais bien quand même avoir le premier étudiant qui sort. Allez hop, on met en x10, tant pis. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. Je voudrais juste avoir les premiers étudiants de sortie. Et regarder un petit peu se dérouler cette ville. Ouais, ça a l'air de bien se débrouiller hein, quand même. Hein. On récupère énormément de bois. Pas beaucoup de fer, mais suffisamment. Ça y est, non? Ah non, c'est un enfant. Il y a trop d'enfants qui viennent de naître. Je vais avoir mes premiers étudiants de sortie, quand même. Ouais, non. Peut-être pas.
Pas très compliqué, c'est à... c'est où? C'est à 16 ans. Donc ça va être là à la fin du printemps. Allez, allez, mon coco. C'est vrai que la réserve de nourriture, elle fait encore des yo-yo. On était à 600, maintenant on est à 60. Bon, ça a juste divisé par 10, j'ai envie de dire. Allez. C'est marrant, quand on a envie de qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça met toujours 20 plombes. Pourtant, en x10, c'est censé aller deux fois plus vite qu'en x5. La vitesse de base, pour moi. Il faudrait peut-être que je fasse quelque chose avec ces textiles. Pour faire des vêtements, peut-être. Ça serait pas forcément une si mauvaise idée que ça. Ça permettrait de chauffer un petit peu plus et d'avoir une meilleure santé générale. Bon, début de l'été. 16 ans. C'est pas 16 ans? Bon, vous savez quoi? Donc j'ai repassé en x5 gentiment. Un nouvel enfant. Ah oui, on a encore plus de bouches à nourrir, donc il est important qu'on finisse cette histoire. Vous savez quoi? Je pense qu'on va tout simplement arrêter là cet épisode. On aura plutôt pas mal avancé, on aura fait encore 3 ans. Oh, vous voyez, ça augmente un petit peu la santé moyenne. Pas si mal. On aura fait encore 3 ans. On commence à bien s'améliorer. On a une forge, donc au niveau des outils, on est très bien. On a une école, donc on va avoir des étudiants, donc des types quand même beaucoup plus qualifiés. On a une cabane de chasse, on a bientôt un abri de cueilleurs. On fera sans doute une nouvelle maison ainsi qu'une grange pour pouvoir stocker un petit peu nos ressources dans cette zone-là. Ensuite, on finira cette partie-là dont je dis que depuis maintenant 2 épisodes qu'il faudrait que je l'améliore. Bon. On commence à bien se débrouiller. J'espère que ça va continuer comme ça. Ah bah voilà, travailleur. Hop. J'espère que ça va bien continuer sur cette lancée. On va voir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien!